Ah non, non, c'est fou, il est changé de place. On est le gouverneur. Demain, vous êtes donc. En grand détail. Dans le code de lobby. Des lobbies fous. Des lobbies. Pas les chenilles, pas les chenilles. Pas les chenilles. Que les Congolais ont pu monter en première partie, elles auront à cœur de tout d'abord vouloir recoller au score et après aller prendre la montée. On voit une équipe congolaise qui est plus envieuse, qui est plus déterminée contre l'équipe sud-africaine. Un engagement très rageur, hein. Ça montre l'essai d'engagement que pour ces vieux sud-africains. Le club de Douala, attention avec ce crochet, une deux fois, il a le défenseur, ça pour personne. Elle avait fait une très belle chaloupée, Krasenga Ngombo et Yann qui va perdre ce ballon avec Yemele qui va progresser. Yemele avec Andingapa qui va déposer la capitaine grâce à quoi là, le trésor, Andingapa. Il faut une très très bonne intersale de Malembe avec la capitaine d'Angoro qui va le premier mi-temps qui aura été à l'avantage au niveau de la possession de balle, au niveau de la production du jeu même au Congo. Justement, mais malheureusement qui auront été imprécises ou nous dirons pas cliniques. La faute aussi à la gardienne Ketoura. Attention avec le centre de Malembe dans la surface de réparation et Ketoura qui va se trouver sur cette occasion. Akwala qui se dégage, la remise pour Kwangu. Kwangu qui va fixer et aérer le jeu avec Pindi Mali qui va se louper sur cette action. L'accélération, il y a faute, attention parce qu'il y a Congolaises réussiront à briser définitivement le rêve centrafricain. Il y a beaucoup de verre dans la surface. De Douala avec peut-être un point. Il y a énormément de verre dans la surface avec des très grands gabarits. Elles sont cinq.
Et à la double buteuse Chaïda Mabonzo. Peut-être. On cherche une solution. Le centre au premier poteau. Attention, la déviation de la tête qui va complètement traverser cette. Le centre d'Aquala va la suivre. Réparation, attention. La égalisation, messieurs. Un club du championnat local, contrairement à ces équipes qui ont des joueurs qui viennent des académies, qui viennent d'autres clubs. Remplacement côté congolais, c'est la sortie de Destiné Foka Malembe et la rentrée. Le centre de quoi? Oui! Elle va se manquer! Attention avec cet enchaînement. Le moment qui revient sur Mabonzo! Quelle reprise de volet de la part de Mabonzo! Signalé. Trois remplacements pour ce coup. Triple remplacement. Et c'est là. Si, Afan Nour. Nour, Rahat Rahaf. Rahaf, ya Rahaf. Khat ala maslahat Rahaf. Salamat. Shaddu la sha'ra, lakin shad akhawi. مثل ما الاخوات بيشدوا شعر بعض او ليش الفو يا رها هلا ايامكم كان تصير مشاكل كوتش ميساء شي مره صار شد شعر ضرب قتل نتف مناكير كذا نتف اصابع اظافر ما في رجعت للكرامه بس هذا معناته هذا الجيل احسن من جيلكم يعني شو هاللعبه بدها تصير من دون ضرب انتوا لعبتكم خشني صراحه يا كوتش لا غير سلاحة القدم ما فيها خشونة اليد رجعت كرماوية واو زينة يا زينة يا زينة يا زينة انت زينة يا زينة زينة ومزيونة وعم تسجل بتسديدة جميلة برافو زينة 23 11 الكرامة على مصفات بانياس حاليا ابو عمار قلب على المياد الحناوي نغم اصيل جدا هو حاليا عم يدربك وما في حدا عم يشجع وراء اطلاقا برافو فينت لكن برافو من حارسة مرمانا ممتازة جدا يا غزل حواط من سلامية غزل بيت حواط اصلا سلامني رجعت من سلام رجعت سلام لكن تيرن اوفر على فريق الكرامة شو اسمها هاي الغنية تبعت ميادة الحناوي اللي عم يغنيها انا بعشقك هلا هي غنية رايقة بس ما خرج ملاعب يا كوتش ميساء انا بعشقك انا لكن الكابتن ابو عمار دوما حكينا لكم مره خسرانين 7-0 من الجيش راجع هو الزلمه عم يغني قانا الهوا قانا ومطروب يعني الزلمه الله بتحبيني صلل روما قانا نغم اصيل صراحه اربع اغاني للكابتن مياد مو للكابتن لا مطربة الاجيال مياد الحناوي صراحه ما ممكن يطلعوا من البال ولكن ما ممكن تطلع من البال تصدي